Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon week-end à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bon, je vais mieux et je vais de mieux en mieux bien. Donc, j'espère que vous allez aussi bien. Je vous partage, je vous distille de la bonne humeur. Convoquez-moi Papy Longchamp, s'il vous plaît. Convoquez-moi Papy Longchamp et bipez les voisins. Convoquez-moi Papy Longchamp ici. Dites à Papy Longchamp que c'est la Ndolé fille de Metette qui l'appelle. La reine des anges. La fille de Saint-Michel Archange qui est née le 16 avril. Voilà. La femme responsable. La femme digne. La femme... Bon, je ne suis pas amoureuse. Je suis amoureuse de mes fans. Je ne suis pas amoureuse d'un homme. Je ne sais pas. Je peux aimer un homme un jour, deux jours. Après, l'amour finit seul. Je ne sais pas aimer les hommes. Voilà. Je ne sais pas tomber amoureuse. Donc, bipez-moi Papy Longchamp, s'il vous plaît. J'ai à lui dire, dites à Papy que c'est Valérie Amourou qui va lui parler. Bipez les voisins, soyez 15 ou 20. Tout à l'heure, c'est parce que j'attendais qu'on vienne me livrer un colis et c'était même pas... C'était même pas la personne qui m'appelait, c'était quelqu'un d'autre. On est resté au téléphone 10-15 minutes. Donc, je suis désolée. C'était ma cousine. Parce que vous savez, on a deuil dans ma famille. J'ai la grande sœur de mon père qui est décédée. Et la levée de corps, c'est vendredi prochain. Voilà, donc elle m'appelait pour qu'on essaye de pleurer le deuil ensemble. Donc, bonsoir Amazon en Jésus, Mambombo. L'autre jour, je t'ai demandé, j'étais Tambombo sur quel nom? Sur Amourou, sur Madeleine ou sur Valérie? Tu ne m'as pas répondu. Je vais bien et toi? J'espère que tu vas bien. On peut déjà se tutoyer, on est déjà une famille. Donc, ne te gêne pas si tu me tutoies, ça ne va pas me déranger. Bipez les voisins, s'il vous plaît, bipez les voisins. C'est vrai que nous sommes vendredi soir. Vendredi soir, les gens préparent les mariages, les anniversaires. Les gens sont dehors dans les restaurants pour profiter. Bipez quand même le peu de voisins qu'il y a autour de vous. Bipez-les. Bipez le peu de voisins qu'il y a autour de vous. Bipez les voisins. Donc, bipez les voisins, non, vous êtes radins. Même bipez, c'est-à-dire, quand on dit bipez, c'est-à-dire partager. Vous repartagez sur votre mur. Même si après le direct, vous supprimez le partage, ce n'est pas un problème.
Mais pourvu que vous repartagez sur votre mur, c'est ça, biper les voisins. Et quand on vous demande de convoquer, ça veut dire que vous devez aussi dire à la personne que c'est vous qu'on demande, on attend là-bas. Vous voyez, non? Je suis en train de faire le bouillon de poisson. J'ai envie de manger quelque chose qui a beaucoup d'eau. J'ai les habitudes, on dirait une femme enceinte, mais bon, comme j'ai arrêté de gnorcer, tenez-vous tranquille, je ne suis pas enceinte. J'ai arrêté de faire le figlifon là. Donc, tenez-vous tranquille. Je vous rassure, je ne suis pas enceinte. D'accord? Tenez-vous tranquille, je ne suis pas enceinte. Peut-être que c'est la ménopause. Moi, je veux déjà être ménopausée. Comme je vois souvent ici sur des réseaux sociaux, toujours ici sur des réseaux sociaux, les gens qui font les commentaires, oh, les femmes monopolisées comme ça, comme si leurs mamans ne sont pas monopolisées, comme si leurs grands-mères n'ont pas connu la ménopause. Franchement, je vois souvent les commentaires, hein, et vieilles femmes monopolisées. Et alors? Être ménopausée, c'est une insulte? Non. C'est une grâce. Avoir les enfants, c'est une grâce. Être ménopausée, c'est une grâce. Tout ce que Dieu peut vous donner qui dépasse plus de 40 ans, c'est une grâce. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de... Regardez Madame Lopez. Madame Lopez n'a pas eu 45 ans. Elle est morte. Elle est morte à la fleur de l'âge. Il y a plein de jeunes qui meurent, ils n'atteignent même pas 25 ans. À peine qu'ils découvrent la vie, boum, ils meurent. Mais oui, donc être ménopausé, c'est une grâce. Être maman, c'est une grâce. Avoir les seins tombés, c'est une grâce. Il ne faut pas avoir honte si vous êtes maman et qu'on vous dit que oh, le ventre est tombé. C'est une grâce. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont couvertes de cette grâce-là. Bipez les voisins. Je vous ai demandé que vous êtes Mambombo. Comment? Vous ne me répondez pas. Vous m'appelez toujours Mbombo. Mais sur quelle base on est des Mbombo? Vous, on vous appelle Amougou, on vous appelle Valérie, on vous appelle Madeleine. Hein? Ma question n'est pas stupide quand même, ma chérie. Donc, je viens ici parler de Papy Longchamp. Papy Longchamp, tu sais que j'ai déjà eu affaire avec toi. Toujours... Dans le cas de René, quand tu l'avais d'abord humilié, il y a en 2018, c'était en 2018 ou 2017, quand tu l'as humilié, je l'ai soutenu. Parce que moi, je suis ambassadrice des femmes. Je soutiens toujours les femmes en détresse. Quand je vois une femme qui coule les larmes, ou une femme qu'on fout la honte au vu aux yeux de tous, je viens, je dis mon mot et je soutiens cette personne. Et j'avais déjà soutenu René. Tu m'as même clashé. Et je t'avais demandé d'arrêter de faire cela. Papy Longchamp, quand toi-même, tu finis de coucher avec une femme, quel qu'en soit son rang social, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit bordel, qu'elle soit salope, qu'elle soit cochonne, quand tu finis de sortir avec elle, après tu la méprises autant, penses-tu que Dieu peut t'accorder les grâces? Même si Dieu t'accorde les grâces, penses-tu que tu as des enfants?
Parce que les gens payent le mal qu'ils font aux autres via les enfants, via les petits-enfants. Bipez les voisins. Convoquez-moi Papy Longchamp. Je suis là, rebonsoir Léa. Parce que la dette, moi-même, ce n'est pas qu'on m'avait dit. En 2017 ou 2018, je ne me souviens plus quelle année exactement. Tu avais fait un direct. Tu insultais René de tous les noms. Tu avais publié sa chatte. Comme ça, tu as sorti ton téléphone. Tu as sorti ça. Heureusement que René est une femme propre. C'était une belle chatte propre. Une belle chatte propre. Oui, elle était rasée, c'était propre, j'avais vu. J'étais là le jour-là, je l'ai soutenue, j'ai dit, sois forte. Quand tu fais ça, Papy Longchamp, as-tu des sœurs? As-tu des sœurs? Es-tu née d'une femme? Celle même avec qui tu es à la maison? Tu penses quoi de ça? De publier la nudité d'une femme? De traiter une femme de salope, de connasse, de pétasse, de chienne? Papy, la vie que tu vois là, il faut avoir beaucoup d'interdictions dans cette vie. C'est ma grand-mère qui me disait souvent que si tu veux vivre longtemps sur terre, il faut avoir beaucoup d'interdictions. Publier la chatte d'une seule femme, c'est de publier la chatte de toutes les femmes, y compris celle de ta mère, y compris celle de tes enfants, celle de tes tantes, celle de ta grand-mère. Publier la chatte d'une seule femme devant 2000 personnes, c'est de publier la chatte de toutes les femmes. C'est vrai que les formes sont différentes. Il y en a qui ont des grosses lèvres. Il y en a qui ont des petites lèvres. Il y en a des chattes qui sont comme ça, comme les huîtres. Il y en a, mais tout ça, ce sont des chattes. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont des grosses lèvres. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont des petites lèvres. Il y en a qui entrent comme ça. Et il y en a même qui je me souviens quand j'étais jeune, j'avais pris ma douche avec une de mes camarades de classe. Sa chatte était posée ici, là. Juste ici. Là. Ici, là. Au niveau-ci. Alors que les chattes, voilà ma part, en bas ici. Donc, il y a même des femmes que leurs chattes sont posées ici. Il y a des femmes que leurs chattes sont posées là. Comme ça. Et nous autres, pour nous, est comme ça. Ici, là. Après, on reconnaît la belle chatte de la femme selon ses lèvres de sa bouche. On reconnaît la forme de la chatte d'une femme si elle est large selon sa bouche. Les femmes qui ont les larges bouches comme ça, elles ont aussi des larges chattes. Les femmes qui ont les bouches comme pour moi, elles ont des petites chattes rondes. Les femmes qui ont des grosses lèvres, ce sont les scientifiques, hein? Ce sont des scientifiques et les scientologues qui nous ont expliqué. Les femmes qui ont des grosses lèvres comme ça, elles ont aussi des grosses chattes. Des chattes avec des grosses lèvres. Si vous voyez une fille qui a une bouche large, comme ça, sa chatte aussi est large. Vous voyez une fille qui a une bouche pointue, sa chatte aussi est comme ça. Vous voyez une fille qui a une belle bouche ronde, sa chatte aussi est pareil. C'est comme les scientifiques nous ont expliqué. Si vous voyez une femme mince, avec les longues jambes, elle est profonde. C'est-à-dire que comme Michel Essoba, quand tu la pénètres, tu n'arrives pas vraiment. Il faut avoir le minkibre pour ressentir. Vous comprenez? C'est pareil. Les femmes qui ont les longs doigts. Vous voyez une fille qui a les longs doigts comme ça. Elle est là, elle a les longs doigts.
surtout le doigt-ci, que vous voyez, si vous voyez une, vous voyez votre copine, elle a les longs doigts comme ça, elle est aussi profonde en bas. C'est comme les hommes. Vous voyez un homme qui a les longs doigts, il a aussi un long zizi. Vous voyez, s'il a le gros doigt-ci, c'est que son plantain aussi est gros. Ce sont les scientifiques. C'est comme les hommes qui ont les gros nez. Vous voyez un homme qui a un gros nez, il a une chatte, il a un plantain comme ça, gros, peut-être gros, court. Vous voyez, un plantain gros et court. Parfois, ça fait comme ça, les dandas, comme les dandignacs. Mais si vous voyez un homme avec le long doigt comme ça, et gros, sachez que en bas aussi, c'est pareil. Si vous voyez un homme avec les petits doigts, il a aussi un petit zizi. Vous voyez un homme avec les petits longs doigts, il a aussi un petit long zizi. Un petit long plantain, c'est comme ça. Ce sont les scientifiques qui nous ont approuvé cela. Donc maintenant, papy Longchamp, quand tu te lèves, tu humilies une femme avec qui tu es sorti. Tu lui surnommes le nom de balançoire japonais. Et tu es fier de te mettre devant les gens. Et de leur dire si, oh, tu racontes comment tu couchais avec elle. Hey! Hey! Hey, papy! Hey! 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 Dieu n'aime pas ça. Si tu veux vivre longtemps sur terre, revois ta façon de faire. Tu agis très mal. Ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Tu fais trop la honte aux femmes. Tu humilies les femmes. Tu ne sais pas. Hier, j'ai vu René pleurer hier. J'ai vu comment elle coulait les larmes. Tu ne sais pas que les larmes que une femme verse à ton nom, ça retombe sur toi. Il faut toujours éviter que les femmes verse les larmes, même si c'est une bordel. Quand tu fais verser les larmes à une femme, ça te suit. Quand tu fais verser les larmes à une femme, ça te suit. Mes gens, comprenez la leçon. Si un homme te fait, je vais te dire quelque chose, papy. Une femme que tu verses, qui tu fais verser les larmes, quand elle va au lit, elle te montre à Dieu. Elle dit, Seigneur, je te montre, papy. Quand elle se réveille le matin, la première chose, avant de tout faire, elle te dit, Seigneur. En journée, elle même au boulot, elle te dit que, Seigneur, je te montre ce garçon qui publie ma nudité. Rien que le fait de dire ça, tu sais ce que ta vie peut devenir, la malchance. La malchance. La malchance. La malchance. Moi, je suis une femme. Quand je suis avec un homme, je lui dis que quand nous sommes ensemble, évite que moi je dise des méchancetés sur toi. Parce que si moi j'ouvre ma bouche sur un homme avec qui je suis sorti, qui a vu ma nudité, un homme qui a vu ma nudité, s'il me fait des méchancetés et que je sors, je dis un mot dans ma bouche, ça le suit. Et il y a beaucoup de femmes comme ça ici dehors. Quand un homme finit de lui faire du mal, elle dit, Seigneur, je te présente cette personne. Et si vous entrez dans les vies des hommes que les femmes ont maudit, leur vie n'a pas de suite favorable.
Je vais vous prendre l'exemple, le père fou. Le père fou, lui-même, il m'avait dit que la mère de ses enfants qui vit à Londres, une fille Bamoun, l'avait maudit. J'ai dit qu'elle avait raison de te maudire. Est-ce qu'un homme peut se comporter comme ça envers la femme? Quand tu te comportes mal envers la femme, sois-en sûr que même si cette femme ne te maudit pas, Dieu qui est au ciel te maudit. Un jour, je suis allée dans les mapans. Chez un gars avec qui je sortais. Et le gars là, je ne sais pas, il n'aimait pas que je... Il part travailler, il me laisse chez lui. Je ne sais pas pourquoi. Je sortais avec lui depuis le Cameroun. Et je ne sais pas pourquoi le gars là, quand, même s'il faut, il fallait qu'il se lève à 5 heures pour aller travailler, il habitait seul. Il me réveillait que non, viens partir, viens, je ne peux pas te laisser chez moi. Je dis, on se connaît depuis le Cameroun. Et un jour comme ça, il m'a réveillé. Il m'a réveillé. Je lui ai dit que non, on va travailler. Laisse-moi dormir ici en Europe. Hein. Et lui a dit que va travailler, laisse-moi dormir, j'ai envie de dormir. Tu vas me trouver. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas te laisser chez moi. Les femmes ne restent pas chez moi. Je lui ai dit que je suis fatiguée. Vas-y, tu vas me trouver. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui passait dans sa tête? Qu'est-ce qui se passait? Je ne sais pas. Je me suis levée là, je n'ai rien dit. Je me suis habillée. On est parti. J'habitais encore en province et je suis venue le voir. Je suis montée dans le train, je n'ai rien dit. Avant même que je n'arrive chez moi, il m'appelle sorcière. Sorcière. On m'a dit enlever au boulot. Je suis arrivé dans le boulot, on me licencie. Je lui ai dit que je suis monté dans le train étant fâché. Tu n'es qu'au début de tes malheurs. 2 jours après, il a perdu tous ses papiers. Les cartes bleues m'appellent. Oh, sorcière! Sorcière! Tout ce qu'il a suivi, c'était que les malheurs. Les malheurs! Il m'a appelé, il me dit, Valérie, excuse-moi. Depuis que tu es rentrée, que tu es fâchée, je ne savais pas que la colère de la femme avait des percussions sur l'homme. Les hommes, vous qui méprisez les femmes, sachez que la colère, quand tu mets une femme en colère, ça retombe sur toi. Quand tu fais du mal à une femme, ça retombe sur toi. Donc, papy de Longchamp, ce que tu es en train de faire à René là, ce n'est pas bien. Tu joues mal. Tout le monde sait que tu ne l'as jamais aimé. Mais laisse-la vivre sa vie. Si elle vend le piment, laisse-la vendre son piment. Moi, je ne comprends même pas souvent le problème avec les Camerounais. Vous aimez toujours vous occuper des vies des gens. Quelqu'un fait sa chose, ça devient comme si c'était ton problème. Laissez les gens qui vendent le piment vendre leur piment. Laissez les gens faire leur vie. Pourquoi vous êtes toujours sur les vies des gens? Hein? Laisse-le. Papy Longchamp, laisse René tranquille. Je ne sais pas ce que tu viendras dire à mon sujet parce que je ne t'ai jamais fréquenté de près. Je connais ton oncle élève et je connais ton cousin Patrick. Moi, je les connais bien. Je te parle en tant qu'une femme. Parce que hier, j'ai vu René pleurer et je me suis sentie humiliée. Tu nous as humiliés une fois de plus.
Ah, tu pensais que elle est mère comme toi, comme tu es père. Imaginez quelqu'un faisait ça à tes enfants. Hein? Imagine que quelqu'un fait ça à tes enfants. Tu te sentiras comment? Tu te sentiras comment? Mettez-vous souvent à la place des autres quand vous leur faites du mal ou quand vous leur dites des choses. On a tous un cœur. On est tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, papy, les femmes sont en colère. Les femmes, moi, je suis en colère contre toi encore. En tant qu'une femme, vous êtes deux ici sur des réseaux sociaux que moi, je suis en colère contre vous. Quand je me lève le matin, je fais ma prière, je vous présente à Dieu. Parce que vous méprisez beaucoup les femmes. Vous insultez leurs entrailles, leurs intimités. Il y a toi, il y a l'abbé Samé. Ce que vous faites ne vous donne pas de la bénédiction. Et à chaque fois, quand vous sortez pour clasher une femme, vous insultez son cul. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Merci Navarro. Ce n'est pas bien. Quand vous insultez le cul d'une bordelle, vous insultez le cul de votre mère. Parce qu'avant de naître, avant que votre mère vous mette au monde, vous ne connaissez pas son passé. Est-ce que vous connaissez le passé de vos parents? Ton père va te raconter, oh mon fils, quand tu vois là, moi j'étais ceci, mais il ne va pas te dire que mon fils, tu vois là, j'ai tué même les gens. J'étais même un grand bandit. Un parent ne peut pas raconter son passé obscur à son enfant. Parent ne peut pas raconter. Parce que quand tu vois souvent certains gens, ils viennent insulter les putes. Oh, sale pute. Toi-même, tu es né d'une femme. Ta mère t'a raconté son passé. Ta mère t'a dit qu'avant, peut-être avant de te mettre au monde, elle faisait la prostitution. Non. Ta mère ne peut pas te le dire. Parce que c'est son passé. Arrêtez souvent de manquer le respect aux femmes. J'ai connu un gars au Cameroun avec qui j'étais amoureuse là. Que vous connaissez là. Depuis que je suis née, dans ma naissance, c'était ma première fois de sortir avec un gars qui insulte autant. Donc, gars là, insulte. Quand le gars là se met à t'aligner les injures, quand il m'a nié les injures, j'avais la chair de poule. Je disais que c'est moi qu'on insulte comme ça. Il insulte les entrailles d'une femme. Tous les hommes qui insultent les parties intimes des femmes, vous ramassez la malédiction. Les filles, ne vous plaignez pas. Quand un homme vous insulte, il ramasse automatiquement. C'est ma grand-mère qui m'avait dit, et les hommes comme ça ne vivent pas longtemps sur terre. Vous allez voir autour de vous les hommes qui insultent leurs femmes, qui battent leurs femmes, qui frappent leurs femmes, ils ne vivent pas longtemps. Hein. Peut-être qu'il meurt même, sa femme reste en vie. Elle reste même vivre encore 80 ans ou 100 ans. C'est ma grand-mère qui me disait souvent ça. Que les hommes qui frappent et insultent leurs femmes ne vivent pas longtemps sur terre. Alors, si vous voulez vivre longtemps sur terre, respectez vos femmes. Respectez les femmes avec qui vous allez au lit. Les femmes dont vous aviez vu la nudité, vous êtes entrées dans leur maison. Papy, tu joues mal.
S'il y a personne qui peut te dire, moi, je te le dis, Papy Longchamp. Bidias. Tu joues mal. Ce que tu fais là ne se fait pas. Vous êtes déjà séparés. Vis ta vie. Laisse-la vivre sa vie. Hein? Laisse René vivre sa vie. Vis ta vie. Hein? Ce que tu vas dire, ma soeur, moi, je connais les Camerounais avec les dits. Quand j'ai eu les clashs ici avec Victor de Lyon, parce que Victor aussi avait humilié une fille ici, la fille qu'on avait traînée dans le camion là que vous connaissez à l'époque là. Quand j'ai soutenu cette fille, Victor a raconté partout que moi je l'ai appelé pour demander à aller travailler dans les camions. Donc, moi, j'étais même étonnée parce que lui et moi, on ne s'est jamais appelé. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. On n'a jamais été en contact de près ou de loin. Mais Victor a dit ça. Que c'est le Valérie Amour m'a appelé ici qu'elle doit venir. Elle vient travailler dans le camion. Moi, Amour. Il a dit ça. Donc, je connais déjà les Camerounais. Avec les inventions et les on-dits. Papy Longchamp, tu m'avais appelé l'année dernière que tu as des maisons, que je viens travailler dans tes maisons. Je t'ai dit, je ne fais pas la prostitution. Mais on ne s'est plus jamais appelé. Ça n'a pas tardé. Pam, tu as eu des problèmes avec Lorraine Perroquet. Ça va pas tarder, tu as eu des problèmes avec Lorraine Perroquet. J'ai dit à Lorraine Perroquet que c'est bien fait pour elle. Quand vous voulez faire vos choses, même si c'est le vol, allez voler seul. Quand vous voulez tuer quelqu'un, même si c'est tuer, allez tuer seul. J'ai dit à Lorraine Perroquet que c'est bien fait pour elle. Donc, papy, ça ne pouvait même pas marcher avec Lorraine. Parce que Lorraine, c'est une profiteuse agréée. Lorraine aime tout gratuit. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, mes gens, dites à Papy Longchamp que ce qu'il fait là n'est pas honorable. On ne mûrit pas autant une femme. Une femme avec qui tu es allé au lit. Quelle qu'en soit la considération que tu avais en elle, elle mérite le respect. Si elle ne mérite même pas le respect, elle mérite que tu la laisses tranquille. Papy, laisse René tranquille. Laisse-la tranquille. Je t'ai déjà dit ça en 2017 ou 2018. Que laisse-la vivre sa vie. Ça va, mon bébé? Eh, mon bébé d'amour, je t'aime. Merci. Et je vais ouvrir un peu. Fais-moi un peu ma clairette là. Non, maman, je vais à peine arriver la bouche aussi. Non. Villageoise. Tête de cafard. Voilà les enfants de France. Non, papy, tu joues mal. Non, non, non. C'est parce que c'est René. C'est parce que tu as fait avec René. Si tu avais affaire avec moi, j'ai un arsenal de frères et de cousins. C'est que ils finissent avec ta famille au Cameroun. Moi, je te dis, moi, mes cousins, si je pleure, aïe. Ou bien j'appelle même les anciens Koulmanges que j'ai laissés au Cameroun. Les anciens.
Un jour, j'étais au Cameroun. Mon cognac là que je vous dis là que j'aimais là. On a eu les problèmes, je suis rentré chez moi. Avant de rentrer chez moi, je me suis arrêté au carrefour Ekounou. Il y a un gars qui est venu me trouver là. Il m'a trouvé. Je pleure. Il dit, gars, tu es ici. J'ai dit, oui. Hé, tu es ici, tu ne nous signales pas. Pour qu'on donne la lettre de protection. J'ai dit, non, je suis là. Quoique la majorité sont morts. Je dis que je suis là. Et le gars, on va s'asseoir au bar là. Je lui donne à boire, on boit. Mais il voit que je pleure en cachette. Il dit, mais tu as quoi? Je dis que mon gars me dérange. Il dit, quoi? Ton gars te dérange? Et tu ne... Quoi? Il habite où? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Qu'on lui donne une punition? J'ai pris mon numéro, j'ai donné à mon gars là. Ils ont commencé à me harceler. Ton gars ne peut pas te déranger alors que nous sommes là. Dis-nous, tu veux qu'on fasse quoi? On le tabasse. On fait quoi? J'ai dit non, laissez-le, je remets à Dieu. Les gars là m'ont harcelé. Les gars là m'ont harcelé au téléphone. Je suis rentré. Que dis-nous? Indique-nous même lui il est. S'il a une copine, on calcule quand il a une copine, on vient tout mal la copine. Allez, retourne tout mal au gars. Vous connaissez même les gars du dehors? Ils ont le sang à l'œil. Je dis que papy, c'est parce que tu as fait avec René. Si tu as fait avec une fille comme moi, je jure que je termine avec ta famille. Si tu as ta mère, on termine avec ta mère, même quand elle va au champ. Là, vous voyez souvent qu'il y a les femmes, les gens qui se font agresser gratuitement à cause de leurs enfants. Vous voyez, vous rentrez du champ, on a déjà saccagé votre maison. Vous dormez la nuit, on vient vous agresser. À quoi les jeunes comme ça? Mais oui. Quand on vit sur cette terre, il faut vivre, il faut éviter. Papi, c'est parce que tu as fait avec René. Imagine, tu as fait avec une fille junkie aussi. Une fille qui a mal à la tête comme toi. Une fille malade. Elle va te faire ça. Tu lui pourris la vie ici en France. Elle dit, ok. Elle te pourrit la vie au Cameroun. Je crois que nous sommes ici là. Même si on n'a plus de parents, on a quand même des soeurs ou des tantes. Mais oui. La vie là, je n'aime pas la danse du chien. La vie, si. Je n'aime pas la danse du chien. René, que tu humilies là tous les jours, tu ne sais pas d'où René peut t'être utile demain ou après demain. Mais peut-être même pendant ta vieillesse, si tu vas vieillir. Dans la vie, il faut avoir des interdictions. Pour vivre longtemps, il faut avoir des interdictions. Il faut respecter la femme. Je dis que vous êtes deux, l'abbé Samé et toi. La façon que voit l'abbé Samé insulter les entrailles de femmes, parfois ils restent comme ça, c'est la chair de poule. Je dis que, hey, comment quelqu'un peut arriver à ce point? Comment quelqu'un peut insulter? Il n'a pas de parents, il n'a pas de mère, il n'a pas de soeur, il n'a même pas les femmes dans sa famille. Mais non, c'est de la malédiction. C'est de la malédiction d'insulter les entrailles des femmes. Tout homme qui insulte les entrailles des femmes ou qui porte la main sur la femme, je le maudis. Je le maudis au nom de Jésus. Soyez tous maudits, vous qui frappez les femmes. Quand vous retrouvez mort sur vos lits, ou alors vous prenez les cordes, vous vous pendez. Que vous mourrez et que vous partez en enfer pour toujours. Que vos âmes brûlent en enfer pour toujours. Comme le père fou. Le père fou, lui, alors, mes gens, la malédiction que la femme, les femmes ont maudit sur le gars la joue sur lui. Son degré de malédiction, il ne peut même pas se marier.
Parce que je ne vois pas quelle femme va supporter la, une merde comme ça. Une merde. Le père fou, une grosse merde. Une calamité. Le père fou. Le père Kourou. La tête, le poisson que j'ai fait là, j'ai acheté les têtes. Je voulais manger les arêtes. Avant de continuer, on va commencer par des questions. Quelqu'un a une question? Hein? Est-ce que quelqu'un a une question? Quand vous voyez qu'il y a des femmes, des gens qui se donnent la mort, à cause du harcèlement comme ça, j'ai vu comment la fille a pleuré hier, j'ai eu mal au cœur. On peut faire ça à une femme? Hein? On peut faire ça? Toi qui as les enfants, si quelqu'un fait ça à tes enfants, hein? Qu'on envoie la nudité de leur mère, On les envoie ça. Tu te sentiras comment? Hey! Est-ce que vous payez même Dieu? Vous avez peur de Dieu? Je ne pense pas. Beaucoup d'hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Mais les filles, quand vous marchez ici dehors, demandez aux hommes s'ils craignent Dieu quand un homme te gratte. Parce que quand un homme craint même Dieu qu'il est chrétien, il a une autre. Il a, bon, c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, comme le père fou, il disait qu'il était chrétien, qu'il priait beaucoup, mais laissait son cœur. Il a un cœur noir comme ça. Comme le cul d'une mamie, d'une vieille mère. Donc, il y a même beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Je connais. Il y avait un beau frère. Un beau frère. Donc, le gars avec qui je sortais au Cameroun. Moi, je croyais que mon gars était instructeur de talent. Mon beau frère, là, il est pasteur dans les églises renversées. Il est évangélique, maman. Si le gars là t'aligne les injures, le pasteur là. Donc je suis comme ça, sa femme m'appelle qu'elle n'est plus dans son foyer. Je dis que comment ça? Elle dit que non, Valérie, je ne peux pas supporter. Supporter quoi? Dit que le gars là, il insulte. Elle dit un pasteur. Elle dit que quoi? Je l'appelle, je dis que. Donc j'entends que tu insultes. En tant que pasteur. Hein? Ils m'ont dit que dans leur famille, ils sont talentueux pour les injures. Laissez mon temps tranquille. Je ne vous ai rien demandé. D'accord? C'est comme ça que vous êtes. Quand on parle des choses sérieuses, tout ce qui vous intéresse, tiens, les jolies, j'aime ta perruque, j'aime ton chapeau, j'aime ton temps. Laissez mon temps là où il est. Le message que je suis en train d'envoyer, c'est ça qui est plus important. Mon temps te doit quelque chose. Hein? Le jour que mon temps ne sera pas bien, c'est toujours vous. Oh, ton temps n'est pas joli. Hein, maman, le diansan de ça. Diansan. Donc, laissez mon diansan là où il est. Qu'il soit bon, c'est mon diansan. Qu'il soit brûlé, c'est mon diansan. Je ne vous ai rien demandé. Je vous ai demandé de poser des questions. Je ne vous ai pas demandé de venir apprécier mon jansan. D'accord? On n'a pas souvent l'habitude de s'apprécier d'une jansan. C'est comme ça que vous êtes. On vous connaît. On vous connaît! Oui, on vous connaît! Laisse mon jansan là, il est. Dans ça, on a vu l'ouatier.
Yewewema motenyu. Ovuma yombe wakombo ma wo wo. Anom kubanga longe, ngale kubanga betalon. Wokoto ndete wakombo ma wo wo. Yewewema motenyu. Ovuma yombe wakombo ma wo wo. Un homme kubanga longe, un galo kubanga batalon. Wokoto handete yu wakombo ma wo wo. Yuewema motenyu. Tu vas me tuer l'homme si. Descends sur moi oh, tu vas me tuer oh. Le corps a déjà chanté, le corps a encore chanté. Tu es toujours sur moi oh, tu vas me tuer oh. Yuewema motenyu. Ovuma yobe wakombo ma wo wo. Toi ni vom bien bien zama na chérie. Tenga mane lende ono yo e. Bien bi fam binga. Foreni vom bien zama na chérie. Tenga mane lende ono yo e. Bien bi fam binga manye te. Si vous comprenez le petit, vous allez comprendre. Bien mi fambinga maniete bea chérie. Wave me yon eve a chérie. Oh, vorene bon bien zamana chérie. Tienga mane lende one ho yo e. Bien mi fambinga mani. Bien mi fambinga maniete bea chérie. Wave me yon eve. Donc voilà, papy, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse que il faut faire attention sur terre. Pour vivre longtemps sur terre, il faut éviter. Je te dis, oh. Tu te lèves comme ça, tu publies la nudité d'une femme avec qui tu es sorti. Tu l'insultes de tous les noms. Tu la traites de tous les noms. Tu lui manques le respect. Tu ne sais pas que tu blesses beaucoup de femmes. Mais oui, je prends l'exemple. Je vous dis que à chaque fois que je tombe sur une photo où la baisse à main insulte les parties intimes d'une femme, je me sens concernée. Je me sens blessée. À chaque fois qu'une femme et publié nu sur des réseaux sociaux, je me sens concernée. Je me souviens à l'époque quand Michel et Somba menaçaient de publier ma photo. Elle avait d'abord publié les photos de Madame Médor. J'ai appelé Michel et Somba. J'ai dit que non. Je ne savais pas que ma part arrivait. J'ai appelé Michel et Somba. J'ai dit ne fais pas ça. C'est une femme comme toi. C'est une compatriote camerounaise, c'est même une femme, ça ne se fait pas. De prendre ses photos, là où elle est posée, tu mets dehors. Ça ne se fait pas. Les femmes, les gens qui sont que, dès que tu as des problèmes avec quelqu'un, tu publies sa nudité. Dès que tu finis avec une fille, tu balances sa nudité dans les WhatsApp. Tu balances. Vous croyez que Dieu vous bénit? Vous qui faites cela, Dieu ne vous bénit pas. Dieu ne vous bénit pas. Quand j'étais avec le père fou, oh, les gens m'ont dit que de te filmer nu. J'ai dit, ah bon, pourquoi faire? Moi, je ne me vois pas comment il veut faire que je sois avec un homme. Où on fait le figlifon là. Quel qu'en soit le degré du problème, après je balance la nudité. Non. Je ne peux jamais faire ça. Non. Je ne peux jamais faire ça. Même montrer à ma copine, je ne peux pas montrer que tu as eu la nudité de mon gars. Jamais. Bon, je peux dire à ma copine que comme tu vois là,
le gars là un bonbon sifflet. Ou le gars là un coup zizi. Parce que nous les femmes on se dit tout. Mais manquer, je ne peux pas. Mais il y a des filles, elles le font sans se gêner. Elles envoient les nudités de leurs gars à leurs copines. Sans se gêner. Il y a des gars que dès que vous finissez, comme Papy Longchamp, ils commencent à balader ta nudité partout. Pour gagner quoi? Papy Longchamp, depuis que tu publies la nudité de René, je me dis ce que tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné combien? Hein? Si c'est des millions, viens me donner. Tu as déjà gagné combien? Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même l'infidélité. Les hommes qui sont que tu es marié avec lui, il te fait l'infidélité. Il couche, il va faire les enfants dehors. Il va faire les enfants dehors. Hein? Dieu ne le bénit pas. Ou il te ramène les maladies. La syphilis. Il y a beaucoup de femmes au pays là-bas. Quand elles ne connaissent pas le chemin qui mène chez le gynéco. Beaucoup. Il y a beaucoup de filles au pays. Elles ne se pigent pas avec des écorces. Elles ne connaissent pas le chemin qui mène chez le gynéco. Maman, les coiffeuses qui nous coiffent dans les salons, là, sont championnes. Maman, vous voyez quand une coiffeuse te coiffe, non? Elle te coiffe, elle te coiffe, te coiffe. Et quand elle est assise, elle te demande de se tourner et tu mets ta tête entre ses jambes. Maman, l'odeur que le bonjour, l'odeur que ça te dit bonjour, on dirait que c'est la voirie. Il y a des femmes que quand elles écartent les pieds comme ça, l'odeur qui sort entre ses jambes. Et il y a des hommes, quand il est déjà sous, lui vient, il entre là. Qui ramasse les morpillons, et il revient à la maison, il monte sur sa femme. Il monte sur sa femme. Hein? Quand vous sortez avec un garçon, si vous voyez toujours un garçon gratter ses entrejambes, grac, ça veut dire qu'il sort avec les filles sales et que lui-même il est sale. Même s'il est propre. Vous voyez, non? Il y a des gars que vous êtes là. Ou quand tu finis de. Un gars finit de te pénétrer, quand il descend, tu commences à gratter tes entrejambes, tu commences à gratter ta minette, ton piment. Lui, c'est un gars sale. Ne couche plus avec lui, ma chérie. Parce que les gars là sont que même s'il a mis le préservatif, les entrejambes, ça démange. Maman, je suis sortie avec un gars. Le gars là, je vous ai déjà raconté l'histoire là. Je suis sortie avec un gars. Je suis sortie avec un gars. Et il revenait du Cameroun. C'était mon gars quoi. Et on a eu des rapports. On a eu des rapports sexuels. Il m'a pénétré. Mais Jean, quand il est descendu sur moi, j'ai commencé à gratter mes entrejambes. J'ai commencé à gratter
mes ancres jambes. Après, l'odeur. L'odeur qui a commencé à dégager. Je jure, le lendemain, le temps de quitter de chez lui, quand il m'avait laissé à la gare, de rentrer chez moi, et dans le cran, là où j'étais assise, j'avais les collants. C'était en hiver, j'avais les collants avec une robe noire. L'odeur là m'a envahi comme ça. L'odeur là, j'étais assise, mais l'odeur là montait sur moi. J'ai appelé le gars là, j'ai dit va à l'hôpital. Parce que moi-même, je suis en train d'aller à l'hôpital. Parce que je n'ai jamais vécu ça. Oh, j'ai dit vas-y. Mais moi, je ne sortirai plus jamais avec toi. Je ne sais pas. Et je sortais avec le petit Raphaël. La bordellerie, c'est quelque chose. Le petit Raphaël avec qui vous connaissez, non, le petit jeune là, il est venu me chercher à la gare. Dans la voiture, il me dit, qu'est-ce qu'il sent comme ça? Il dit, hey, qu'est-ce qu'il sent mauvais comme ça? Je lui dis que c'est moi. Après, je lui ai menti que je me suis assise sur les toilettes. Il dit que, mec, il m'a accompagné aux urgences. Aux urgences. J'ai dit que l'odeur qui sort. J'ai dit au gars là, j'ai demandé au gars là que quand tu étais au Cameroun, tu as couché avec les cadavres. Il y a des gars comme ça. Il y a aussi des filles comme ça. Que tu la pénètres comme ça. Une odeur remplit ton corps. Le gars là est revenu, hein. Oh, j'ai dit que. Il y a des gars comme ça. Qu'ils passent sortir, il y a des gars, ils sortent avec les filles qui ne partent pas chez les gynécos, qui ne lavent pas les reins, qui ne lavent pas leur vagin avec des produits. Elles sont comme ça. Elles font le figli, font le comme ça. Elles ne font pas les frottis, c'est-à-dire aller chez le gynéco même tous les 6 mois. Au pays, comme les toilettes ne sont pas trop hygiéniques, le frottis au pays, il faut le faire tous les 6 mois. Ici, on fait le frottis tous les 1 an ou 2 ans. Oh, mais au pays, il faut faire le frottis, il faut mettre les ovules nettoyants et tout. Je dis que les coiffeuses du pays, quand tu vas te coiffer chez le coiffeur, tu fais les rastas comme ça. Tu fais. Quand elle te dit, tourne-toi. Quand tu te tournes comme ça. Aïe! Anti. Bonsoir, Marguerite. Ça fait longtemps, toi. Tu es passé où? Ça va, Marguerite? Ça va, ça fait longtemps. Est-ce que tu vas bien? La mère, ça va? Bonsoir, la mère. Pourquoi tu as attaché la bouche? Hein? Tu es fâché? Maman, toujours, je te dire que je suis fatiguée. Mais souris-moi un peu. Mais j'ai pour faire quoi? Ça va changer quoi, ma fatigue? Donne-moi alors le couteau une fois, s'il te plaît. Donc c'est comme ça. Yeah, yeah,
Vous n'aviez pas mangé? Mais c'est resté. Montre voir. C'est ça que tu manges. Donc voilà mes gens. Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Hein? Mets-moi ça au frais là-bas. Pardon. Je ne veux pas rester longtemps. Donc, papy, arrête d'humilier René comme ça, c'est pas bien. Elle ne te doit rien. Où est ta casquette? Hein? Ça change déjà. T'as lavé aujourd'hui? Oui. J'ai lavé le matin. Bah oui, c'est déjà une amélioration là. Regarde-moi ça là-bas. Il faut faire ce soir aussi. Hein. Oui, je veux faire. Elle sort d'où cette perruque? Elle sort d'ici. Mais je t'avais donné ce perruque. Tu n'as pas voulu. Non. Tu sais pas ce que je devais vendre. Tiens, ma. Pourquoi tu viens chaque fois? Ça me fait plaisir de te voir après une journée. Ah. Tu ne veux pas que je te flatte? Pourquoi faire? Bonsoir, Thérèse. Comment ça va? Merci pour les cœurs. Ça va? C'est le tissu de mariage. Celui-ci, ma cousine va se marier. Quelle cousine encore? Est-ce que tu connais mes cousines? Des cousines là qui sortent de nulle part. Là. Tu es sûr? N'importe quoi. Tout le monde c'est ta cousine, tout le monde c'est ta nièce. Mais non. Hé! Hey! Moi je mets un trait sur les liens. Je ne suis pas comme tous les Camerounais. Ils sont tous parentés. Bonjour tata, bonjour ma mère, bonjour ma soeur. Non, hé! Hey. Quand je dis cousine, c'est vraiment une vraie cousine. Moi, je mets un frein à ces parentés-là. Le lien de parenté élargi de tous les Camerounais-là. C'est l'essentiel, ma chérie, si tu vas bien. C'est bien si tu vas bien. C'est bien. Prudence! Prudence! Maman! Hey! Donne-moi les ciseaux, s'il te plaît. Ma cousine se marie. Alléluia. Amen. Je vais aller laisser ça demain. Les ciseaux. Maman, c'est une vraie commerçante. Donc elle-même a fait ça. Elle n'a pas pris. Ben oui, sinon ça revient cher. Oui, mais prudence, pour moins cher, non? Tu sais, quand j'envoie souvent les perruques là, à la poste, c'est 10 euros, hein? C'est 10 euros les perruques. Tu vas avoir une perruque à quelqu'un, c'est 10 euros. Deux perruques, ça te fait dans les 18 euros. Hein. Oh ouais.
Mais quand quelqu'un achète, oui, j'ai déjà le modèle. J'ai le modèle. C'est ma cousine qui va se marier. Mais si elle et son mari voulaient qu'on porte. Donc. J'ai déjà le modèle. Donc voilà, je vous souhaite alors bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure, le temps de digérer. J'ai déjà envoyé le message à papy. Je lui ai déjà envoyé le message. Il n'y a pas leur tête. Non, non, les goûts et les couleurs, non, c'est joli. Va. Je m'attendais à un truc genre façon, façon là. Ça va? Non, c'est joli. S'il en reste, je me fais un petit truc. Oui. Non, ça va. Tu aimes? Bon, à toutes.